Elsa, il faut que je te parle de quelque chose. Moi aussi. Les examens ne sont pas bons. Mais c'est pas un cancer. Si. Mais tu vas pas mourir. Hein? César! Nous vous proposerons une petite comédie bien sympathique, Le meilleur reste à venir, de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, avec Fabrice Lucchini, Patrick Bruel et Zineb Triki. Arthur et César sont les meilleurs amis du monde. Depuis les années collège, ils entretiennent une amitié immuable comme un feu de joie. Ensemble, ils ont traversé la vie sans jamais se mentir, se trahir, toujours complices à la foire de l'existence. Arthur apprend que César est atteint d'un cancer qui ne lui laisse que peu de temps avant le dernier voyage. Il ne sait pas comment annoncer la nouvelle à son ami. Par un effet du hasard du destin farceur, César croit que c'est Arthur qui va mourir. Ce quiproquo et le silence des deux amis entraînent une série de méprises qui mettent à mal leur amitié indéfectible. Pour l'instant, chacun souhaite faire des derniers jours de son ami un feu d'artifice final, une valse des occasions manquées. Il se retrouve entre liste des derniers désirs, petits plaisirs pour Arthur comme relire Proust et grand défi pour César. La dernière ligne droite les emporte sur les routes de France, du passé et en Inde où tout est possible. Ils ignorent encore que pour celui qui reste, cette confrontation avec la mort annoncée devient un moyen de mieux construire la fin de sa vie. T'es complètement cinglé! C'est bon, ça va! Ce que j'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire, là, vraiment, avant de mourir! Aller sur la tombe d'Albert Schweitzer, relire Proust intégralement. T'as oublié acheter une corde pour me pendre. C'est avec le prénom que Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière se font un nom dans la profession. Ils récidivent avec un illustre inconnu, un type qui se fond dans votre vie comme un caméléon. Une fois de plus, nous retrouvons en seconde lecture la notion d'identité. Il nous interroge sur cette échéance finale, la mort, et une des maladies les plus terribles de notre époque, le cancer. C'est dans un jeu de quiproquo que se joue cette farce de la vie. Chacun pense que l'autre est celui qui va partir. Dans cette comédie bien rodée, Patrick Bruel se fond dans le costume qu'il connaît bien du séducteur bon vivant. Patrice Lucchini joue un chercheur moins gros mots et plus à la quête scientifique. La surprise vient de Zineb Triki dans un personnage qui a déjà compter l'impossible et qui anime des groupes de paroles sur le cancer. Ce dernier n'est pas le centre du récit, mais les réalisateurs en explorent les moindres secrets pour nous livrer une belle réflexion sur ce sujet. C'est bien l'amitié, la trame de celui-ci, qui nous emportant sur hier et aujourd'hui en confrontant deux caractères opposés. Chacun souhaite le meilleur pour l'autre avant de franchir la dernière porte. Cela nous donne quelques belles séquences comme le retour à l'internat, lieu de naissance de leur amitié, et un voyage en Inde. C'est une comédie calendrier de la veine quand on ouvre les jours avant Noël avec des surprises et des déceptions à la clé. On retrouve Mathieu Delaporte répondre à nos questions lors du 28e festival du film de Sarlat. Projet au départ, c'était une pièce de théâtre que du coup vous avez transformée en film comme vous avez beaucoup l'habitude. Ou alors est-ce que c'était déjà un projet qu'on avait dessiné? Non, c'est dès le début, on l'a pensé comme un film. On ne s'est jamais posé la question. C'est amusant parce qu'on nous a posé la question après le film, plusieurs fois, ils nous ont demandé est-ce qu'on allait en faire une pièce de théâtre. Mais non, ce n'est pas les bonnes habitudes, on ne se répète pas toujours. Non, on ne va pas. Ça va rester un film. Ça restera un film, mais ça a toujours été pensé comme tel. On le sait assez vite, en fait, quand on réfléchit à un sujet, on ne le sait pas encore, mais quand le projet commence à naître, comme c'est quand même deux exercices très différents, ça se construit pas du tout pareil, on ne pense pas du tout les mêmes choses, très vite, en fait, on sait si ça sera une pièce ou un film. Et on a. Le prénom, c'était particulier parce qu'on avait commencé l'écriture sans trop savoir où on allait. On s'amusait à écrire une pièce. On s'est pris au jeu. Mais depuis maintenant, quand on commence, on sait la route. Je trouve qu'elle. C'est le talent de Zineb d'avoir su apporter ça en subtilité. Et c'est qu'il y a une dimension de lumière et de douceur qui s'en dégage de toutes les scènes, qui apaise en fait ces deux hommes. Qui d'ailleurs, oui. Oui, je pense que pour moi, elle a atteint ce qu'on appelle un peu l'abandon. Une fois qu'on traverse une épreuve comme ça, il y a quelque chose de cet amendement qui amène à cette vie. Elle comprend que le contrôle dans la vie, c'est un peu surfait. Et donc, Et je pense que ça, tous les comédiens, heureusement qu'on ne vit pas tout ce qu'on est censé jouer, parce que là, ce serait.
c'est trouver en soi quelque chose qui se rapproche, mais qui s'en rapproche. Hein, Et puis après, effectivement, si autour de soi, on a connu des gens qui ont traversé des épreuves comme ça, et ben on s'en imprègne. Ils nous transmettent des choses, on s'en imprègne comme ce qu'elle fait elle après. En essayant de renouer le dialogue entre eux deux, c'est ce qu'elle leur transmet.